Salut mes chers bien-aimés internautes. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus est vivant. Et Dieu, il est capable. Il est capable de vous donner au-delà. Il est capable de te donner une vision prophétique. Oui, ce Dieu-là est capable. Mais pour cela, bien-aimé, tu dois être aspiré par le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu nous emmène à une autre vision. Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est au chapitre 5. Verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous l'entendons prêcher en long et en large. Mais nous ne prenons pas assez conscience sur cette phrase que nous dit Jacques. Nous prions. Nous adressons n'importe quelle prière à Dieu. Nous prions. Nous ne sommes pas sanctifiés. Nous avons de l'amertume. Nous avons de la rancune. Nous avons tout ce qui est mauvais au plus profond de nous. Mais Dieu n'agrée pas ces genres de prières. Beaucoup de gens utilisent la Bible pour faire de la sorcellerie pour eux, pour prier sur la tête de leur prochain. La chose que vous devez savoir, la Bible, les psaumes de David, ce sont des souffrances de David que David exprimait. Alléluia, du fond de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Mais toi, tu n'es pas David. Du fond de la détresse, toi, tu invoques l'Éternel, mais tu n'es pas David. Il faut savoir formuler aussi tes propres mots ou utiliser les mots de David pour les bienfaits, mais pas dans le sens du mal. La prière fervente du juste, par ta prière de foi, tu peux changer les circonstances de ta vie. Ton cœur endurci peut être changé, bien-aimé. Afin que tu sois capable de sentir la souffrance et ressentir la souffrance de l'autre. Quand nous intercédons pour quelqu'un, oui, nous prions pour quelqu'un qui a un problème de santé, quel que soit, nous devions savoir sentir la souffrance de cette personne. Être à la place de cette personne afin d'implorer Dieu pour qu'il accorde sa délivrance, pour qu'il accorde sa guérison à celui-ci. La prière seule ne peut pas avoir d'efficacité. Alléluia. La prière seule ne peut pas avoir d'efficacité. Nous voyons que il y a toute forme de religion. Toute forme de religion, tout le monde dit qu'il prie beaucoup. Et le plus souvent, il n'y a pas de réponse. Nous devons savoir pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de réponse? La prière du juste ne peut pas avoir d'efficacité si ce juste-là n'est pas en harmonie avec ce que Dieu demande. Dieu aussi à des exigences, bien-aimés. Dieu n'est pas dans le volume de voix. On peut être quelque part où on entend les gens prier, crier jusqu'à perdre leur voix. Dieu n'est pas dans cela. Il n'est pas dans cela. Il répond moins à ces prières-là. Et ce que vous devez savoir, c'est que le juste
qui n'a plus de foi, ou celui qui s'est lassé de prier n'aura pas d'exaucement. Parce qu'il y a des fois où certaines personnes prient, ne voient pas de réponse, ou prient par forme, prient pour recevoir une bénédiction. Après cette bénédiction, eh bien, il faut comme de la grâce. Ou ils disent, ah, je suis fatigué parce que je n'ai pas de réponse. On ne doit jamais être fatigué de prier. Le juste, c'est quoi? Le juste dont il est question n'est pas une personne parfaite. Alléluia, n'est pas une personne parfaite. Le juste, c'est celui qui a confessé ses péchés, qui observe la parole et qui a conscience qu'il est en accord avec Dieu en Jésus-Christ, bien-aimé. La prière dont nous parlons, la prière, c'est un fondement de notre intimité avec Dieu. Qui a dit, là deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, je suis avec eux. C'est avant tout le dialogue, puisqu'il est là. Nous ne le voyons pas, il est là. Quand on prie, eh bien, on parle à Dieu. David dit, comme je disais tout à l'heure, « Du fond de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. » Dieu dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai voir de bonnes choses. » Cela veut dire que du fond de la détresse, la foi que David avait en Dieu, eh bien, à tout bout de champ, sa prière ne serait pas restée vaine. David a obtenu des réponses dans sa prière avec Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment rappeler aux autres que le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Mais c'est une relation de proximité avec le Seigneur. À commencer par moi. Nous le répétons parce que nous l'avons entendu. Mais sans comprendre pourquoi nous le répétons. Nous répétons comme des perroquets. Ce fut de temps, quand je voyais quelqu'un, je parlais, je témoignais de la gloire de Dieu. La personne me demandait, tu es dans quelle religion? Je lui disais, je suis évangéliste. Mais après, j'ai compris que je devais dire que je suis en relation avec mon Dieu. D'accord? Je suis en relation avec mon Dieu. Mais là, maintenant, j'ai fini par comprendre que cette relation, c'est une relation de proximité. Parce qu'il est là. Il fait un corps à corps avec moi. Une relation de proximité. Je ne dis plus que je suis dans telle religion. Mais je dis que je suis dans une relation d'amour avec mon Papa Céleste. Alléluia. C'est l'amour que je dois véhiculer partout où je passe. Il est temps que nous cessions d'être des aveugles bien-aimés et des gens sans intelligence. Dieu nous a dotés d'intelligence, pas d'un esprit de timidité. Nous ne devons pas rester dans la médiocrité. Nous devions être des hommes et des femmes audacieux et audacieuses qui ont envie d'avancer. Alléluia. Qui ont envie de voir la gloire de Dieu. Notre réussite, nos succès, tout cela dépend de la manière dont nous nous présentons devant notre Dieu. Pour connaître Dieu, nous devions avoir la connaissance de sa parole. Cela veut dire prendre sa parole, méditer sa parole, essayer de comprendre. Cela ne viendra pas d'un seul coup, bien-aimé. Parce qu'on ne comprendra pas d'un seul coup. Mais au fur et à mesure, petit à petit,
L'Esprit de Dieu nous appelle à nous plonger dans la parole et à essayer de comprendre pour pouvoir exhorter celui qui est à côté de nous, exhorter nos enfants, nos amis, nos parents. Parce que souvent, les gens restent positionnés sur une religion. Alléluia. Mais nous, nous devrions être avec eux dans une relation d'amour. Alléluia. Dieu est bon. Nous devons vraiment acquérir de la maturité spirituelle, être des hommes et des femmes mûrs dans les arts de l'Esprit de Dieu, pour que nous ne soyons pas surpris quand certains phénomènes apparaîtront ou quand le diable enverra ses espions sonder notre foi. Ne soyons pas des ignorants. Ne soyons pas des ignorants. Eh bien, ce soir, nous avons laissé là. Je demande à Dieu vraiment de vous fortifier et soyez des hommes et des femmes audacieux et audacieuses pour la gloire de Dieu. Alléluia.